Aïe, 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 aïe. Famille. Moi, je croyais que j'avais mal attendu. Que le grand corbeau même s'est manqué de Kimi. Moi, je croyais que j'avais mal attendu. Allez regarder dans notre vidéo, le grand corbeau, tu te manques de Kimi. Et puis, revenez ici. Aïe. Donc. Effectivement, le grand corbeau qui prend le relève de maman Audrey a décortiqué cette histoire de Kim et Axel. On a vu cette histoire sous la toile. Et comme je vous avais dit, les gens qui ont dit que non, Kim et Axel sont scellés à vie. Guys, venez, je vais vous embrasser, car cette histoire ne va jamais finir. Cette histoire ne va jamais, jamais finir. It cools down, it comes back. It rises again, it goes down, it goes in the middle. C'est comme ça, cette histoire. Donc, famille, ça va pas finir. Oh, ah, je vous donne raison. Je vous donne raison. On était assises calmement au calme. Vous voyez, cette histoire était finie, non? Makoso avait dit la paix, non? Nous tous, on est là, on était passé à autre chose. Aïe, voici cette histoire qui revient. Donc, la chanson d'Axel, là, qu'on attend, et la souris danse quand les gens n'est pas là. Il y a des audios que le grand corbeau attache, à ce décortiquement. Il y a des gens qui ont dit dans les commentaires que ce sont des audios de Kimi et Axel, de leur causerie. Elle avait déguisé sa voix. Et puis, toutes les audios là sont déguisées de voix. Donc, le voilà, vous connaissez un TikTok. Donc, quand vous appuyez pour déguiser la voix, tout ce qui va parler, ça va simplement déguiser la voix. On va tout suivre la vidéo, famille. Aujourd'hui, là, on vous envoie d'aller prendre votre ceinture de sécurité qu'on a mis à côté depuis quelques semaines. Allez prendre votre ceinture là, mettez-la. Si vous conduisez, aujourd'hui, il faut mettre votre voiture à côté. Il faut parquer quelque part. Si vous êtes au travail là, il faut prendre même la pause car ça va secouer très. Ah, et les grands corbeaux. Moi j'étais étonnée, j'ai dit que ah, même les grands corbeaux ils passaient à autre chose. Mais voyez voir, voyez cette histoire. Les grands corbeaux. Je vous avais dit dans la vidéo là, du grand corbeau, tu te moques de Kimi. J'ai dit quoi? Si les diables boivent de l'eau bénite, qu'est-ce qui va changer? Les diables vont changer ou de l'eau va changer un diable? Hey, suivons tous la vidéo. Mais avant de suivre la vidéo, on vous salue quand même, non? Salutations à vous, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. Salutations aussi aux guetteurs et à ceux qui sont ici pour la toute première fois. En tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez le 13. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et de nous commenter notre page très, très gentiment. On va tous suivre la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Donc, voici la vidéo. Était là. Déjà, Tom était là déjà avec son faux compte. Mais elle ne savait pas que Tom était là. Donc, Tom, maintenant, tu lui demandes, et ta journée s'est déroulée comment? Elle lui a dit que ça s'est bien déroulé, tout ça. Puis il dit, il était là quand il dansait. Là, il dit, oh, quand le chat n'est pas là, qu'est-ce que la souris fait? En commentaire. Quand le chat n'est pas là, qu'est-ce que la souris fait? Dites-moi en commentaire. On continue. On continue, hein? Même si ça crache, écoutez, concentrez-vous quand même. C'est versé ciel. C'est versé ciel. Écoutez. Elle est étonnée. Elle dit, ouh! Quoi? Jésus est sorti dedans. Quelle honte! Comment ça, j'étais là? Elle a depuis le début, mais. Je suis là depuis le début. Tu étais où? J'étais là. Je ne vous ai pas dit ça ici. Tu as tout vu. Ouais. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. La dernière fois, qu'est-ce que vous ai dit? Quand il dit que moi, Fifi,
Je mens pas. Est-ce que je vous ai dit si? Je vous ai pas dit que quand Jerry, en réunion des familles avec ces éléments-là, Tom est toujours là. Il y a eu trop d'explications. On a l'épisode 4. Nous sommes à l'épisode 4. Elle dit non, mais tu n'étais pas là. Tu ne peux pas dire que tu étais là. Il dit si j'étais là. Il dit si. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Il dit si j'étais là. Il était vu. Elle dit non, mais ce n'est pas possible. Oh Jésus. C'est-à-dire, elle se cachait du chat. La souris, là, est en train de se cacher du chat pour danser. Déjà, le chat était caché quelque part là-bas. Et le chat regardait la souris danser. On continue, hein. Vous êtes là, vous parlez. C'est vous qui avez devenu les parents adoptifs de Jerry. C'est vous qui avez devenu les parents adoptifs de Tom. C'est vous qui prenez des décisions pour toujours mettre la honte sur vous, hein. Mais vous ne fermez pas gosier, là. On continue. Non, ne me dites pas ça. Vous avez bien, tu danses bien, tu danses. Figure de Jerry a changé comme ça. Elle le coup de respiration de Tom. Jerry a changé. Jerry dit tu danses bien. Elle dit merci. Hein, Tom dit tu danses bien. Jerry qui est là maintenant. Merci. Merci. Quand tu étais là, tu m'as vu. Dit oui. Mon Tom là. Toi Jerry, une fois que tu es en réunion de famille, mon Tom, je commence à te surveiller. Moi Tom, je t'observe. Jerry pensait se cacher en train de danser. La souris voulait se cacher, mais le chat était caché quelque part là-bas. Il a vu la souris danser. Vous aimez ou bien vous n'aimez pas? Vous aimez ou bien vous n'aimez pas? Je continue, mais j'arrête. C'est quoi? C'est pas mon compte, ne vous sens pas. Vous avez peur d'Eva ou bien? Il y a quoi? Vous m'encouragez pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, on continue. Quand une fois qu'elle voit Tom, elle devient bobo. Figure la change. Gloss là, ouais, mais oh, mais. Tu souriais beaucoup dans ton live, mais tu as une bonne nouvelle. Vous avez entendu la partie là? Merci, Tata Christelle, c'est gentil de me donner de l'eau à boire. Vous avez entendu la partie là? Où Tom dit, est-ce que vous n'avez pas entendu, il a fait revenir un peu. Est-ce que vous avez entendu la partie? Oh, c'est pas chez vous. Oh. Nous avons entendu la partie, vous n'avez pas entendu. Je reprends. Ah bah, faites vite, on fait ensemble, on fait comme si ici la seule. Écoutez. Tu souriais beaucoup dans ton live, tu as une bonne nouvelle. Ah, il dit, le chat dit. Tu souriais beaucoup, hein. Il y a quoi, puis tu souriais beaucoup comme ça. Pourquoi l'accent, Tom? Tom dit, tu souriais beaucoup, hein. Pourquoi tu souriais beaucoup comme ça? Tu as pris une bonne nouvelle. C'est pour dire, Tom qui est là. Tom. Tom. Tom s'est surveillé. Oh! Jerry n'est pas là. Au début, Jerry ne savait pas que Tom est là. Il surveillait ses faits et gestes. Jerry ne savait pas. Écoutez, tu es bloqué pourtant. Tu veux faire ça, tu venais chercher. Écoutez. Non. Je t'ai vu beaucoup sourire là. C'est la joie. C'est la joie. En tout cas, il faut toujours être comme ça. Ça te va très bien. Tom a dit à Jerry, faut toujours sourire pour jamais serrer ton visage. Je comprends, c'est Fifi. La voix qu'elle a, c'est la voix de qui? C'est Fifi. Il dit, je ne veux pas voir le nom d'Eva ici. Il dit ça. Tom dit à Jerry, faut toujours sourire. Ça te va. Parce que quand je te vois sourire là,
Mon cœur est dans une joie. Elle a dit à bon Tom, il dit oui, Jerry. Faux sourire. Vous ne voyez pas quand Jerry vient là. Vous ne voyez pas chaque fois quand Jerry vient en live, elle sourit. Vous ne voyez pas. Elle s'est cachée. Mon mari, bonsoir. Elle s'est cachée. Elle allait danser. Fifi, vous venez d'arriver. J'ai lancé chez moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils m'ont signalé, ils m'ont bloqué. Oh. Ils m'ont bloqué. Je pleure. Il n'y a pas de pleurs ici, là. Comment faire pour pleurer, même? Échec. Je suis dessus. Oh. Il dit, il est en train de faire test à 100 à l'heure là-bas, comme ça. Ça mettait Fifi mon combat. Ils ont bloqué mon compte jusqu'à quand, là, même? J'ai regardé après combien de masques, là. Je ne peux plus faire de live. Je suis venue, j'ai demandé pardon à Eva. Il dit, cousine, il te demande pardon. Il ne faut pas regarder l'orgueil. L'orgueil avait pris, l'orgueil même, elle dit que dans la vie, il ne faut pas être orgueilleuse. J'avais commencé à être orgueilleuse. Mais ma soeur Fifi, ma soeur Eva, je te demande pardon. Prête-moi ton compte. Elle est contente, elle n'est pas contente. Elle m'a prêté son compte. Voilà. Elle est venue ici, elle a parlé beaucoup, beaucoup. Oui, vous m'avez insulté, oui. Oui, vous avez dit que Fifi est mieux qu'Eva. Elle a parlé ce gros mot français avec un français penché, un français constipé. Et elle, il parlait pas. Il a dit, faut finir de parler. C'est que si tu as me donné ton compte. C'est là qu'elle m'a prêté son compte. Est-ce qu'elle va me donner son compte encore demain? Je sais pas. L'essentiel, quand il est fini là, vous aussi, vous ne lui donnez pas baouin aussi pour l'encourager. Montrez-lui que vous aimez Fifi quand même. Et, ah, vous aussi, là, vous êtes quelque chose d'autre. Mais on dit de créer. Mais est-ce que si je crée un autre compte, c'est sûr qu'il y a 1000 abonnés avant demain? C'est ça. Parce que si je crée qu'il n'est pas 1000 abonnés, là, il fait comment? Sinon, c'est moi, il est créé. Il est créé, mais aujourd'hui, là, je ne sais pas. Donc, dites-moi, si vous voulez que je crée qu'il y a 1000 abonnés, il est créé. Non, on continue. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je reprends l'histoire. On est à la saison 4. Avant, on était à la saison 3. On explique un peu comment ça se fait que notre Tom a chanté La souris qui danse. On a déjà expliqué. Dans la saison 4, un jour, comment on appelle Jerry. Vous connaissez Jerry. Jerry, pour ceux qui viennent d'arriver, Jerry, dans son Wale, il y a ses 20 jours, elle dit tu crées et tu fais monter le compte pour qu'on s'abonne. Ok, merci. Jerry, dans son Wale, elle s'est levée pour partir faire son live. Donc, quand Jerry a fait son live, elle a mis plusieurs chansons. Elle dansait. Et après, elle a mis la chanson de Gaspard. Gaspard, c'est Antala. Pour ceux qui viennent d'arriver, ils me répètent après, ils ne plus me répéter. Elle a mis la chanson de Gaspard. Elle dit c'est qui en train de parler. Donc, elle ne savait pas. Elle a mis la chanson de Gaspard. Elle a commencé à danser. Tja, pendant qu'elle dansait, là, Tom était là. Il la regardait. Mais elle ne savait pas que Tom était là. Donc, c'est comme ça. Elle a commencé à danser. Elle a dansé. Tom passait son temps à la regarder pour dire, hein? Donc, comment je ne suis pas là? C'est comme ça que tu danses. Donc, moi, le chat, quand je ne suis pas là, toi, la souris, tu te caches pour danser. Elle ne savait pas que le chat l'observait. Elle ne savait pas. Donc, voilà la souris. La souris en train de mouler. La souris en train de danser. Le chat est caché. Le chat n'a rien dit. Le chat l'a laissé même. Quand la souris était fatiguée, le chat a mis l'invitation. Le chat est monté. Quand le chat est monté, le chat fait comme n'a pas dit qu'il était là. Le chat, vous ne tapotez pas, hein, tapotez. Le chat lui dit, ah, le chat lui dit, la souris, tu vas bien? Il dit, je vais. Voilà, changer. Quelqu'un qui dansait. Quelqu'un qui était surexcité. Dès qu'elle a vu le chat, là, silence. Elle est devenue oussoise, calme. De toute façon, elle se cache pour danser là. C'est comme ça qu'elle est devenue calme. Donc maintenant, le chat qui lui demande, comment tu vas? Elle dit, non, je vais bien. Le chat dit, tu vas bien? Elle dit, oui, je vais bien. Et ta journée? Elle dit, j'étais là. Mais si j'ai travaillé, j'ai dansé,
C'est ce qu'elle dit au chat. Le chat dit, ah, d'accord. Elle dit, et toi? Le chat dit, ah, que moi, je me sens pas bien. Elle dit, ah! C'est pour dire que le chat, pardon, faut pas dire que tu te sens pas bien parce que moi, il causait toi tout à l'heure. Le chat dit non, je me sens pas bien. Il dit, il dit maintenant, il se contredit. Il dit, non, je sais le jouer au foot, j'ai joué au ballon, mais après, j'ai pris un coup de froid. Elle dit, ah, d'accord, vraiment, Yako, porte-toi bien. Il y avait des noms même au début, là, mais ceux même qui disent sont devenus pros, là. C'est pas, ils ne peuvent pas montrer la vidéo, ils allaient voir leur nom. Ça disait là-bas, hé, hey, mon combat, mon combat, mon combat, mon combat. Ceux qui disent qu'aujourd'hui, là, eux sont pros, les pros, là. Vos noms dans la vidéo ici, on vous voit. Capture, c'est une très bonne chose. Nous voyons ici. Dès qu'ils insultent, là, on vous voit dans les captures. Si mon mec est venu, hé, donc c'est là, c'est comme ça, les termes. Donc c'est là, c'est qu'il est. Mon chef. Donc, qu'elle a dit ça? Le chat dit, ah, t'as compris le chat qui dit à la souris, il dit, oh. Elle dit ça qu'elle était vue danser. Elle dit, ah, comment ça? Elle dit, ah, comment ça? Tu m'as vu? Il dit, oui, il était vu danser. Elle dit, ah, il dit, oui, il était là, il était vu danser. Pour lui montrer mais qu'elle était là, qu'il était là, il dit, bon, il était vu, tu as attaché une serviette au niveau des terrains. Tu as autour des terrains, tu as dansé. Il était vu, tu as dansé sur le chant de Gaspard, la chanson de Gaspard, tu as dansé. Il dit, hé, donc tu m'as vu. C'est ça, on dit que la souris se cache toujours pour danser. Hé, donc tu m'as vu. Il dit, lui, il était vu. Il dit, oh. Il dit, mais tu danses bien. Tu danses bien. Puis, à quoi? Puis, tu es contente comme ça aujourd'hui. Là. Il dit, non, il n'y a rien. Il dit, non. Sois toujours souriante. Sois toujours heureuse. Moi, je veux que tu restes souriante. Je veux que tu sois toujours heureuse. Elle dit, j'ai compris. Donc, on continue. Ça crache, ça m'énerve. Il faut danser, je veux voir. Vous voyez, le chat, la souris, tu t'es caché pour danser jusqu'à... Le chat dit, il faut danser et voir. Depuis que tu dansais, il n'était pas là, là. Tu as dansé, tu t'es caché. Quand le chat n'est pas là, la souris se cache pour danser. Maintenant, je ne suis pas là, là. Il faut danser et voir. Écoutez sa réponse. Je danse pas. Vous avez entendu. Vous avez entendu. Nous avons entendu la réponse de la souris. Est-ce que nous avons entendu? Où est ça? Est-ce que nous avons entendu? Nous avons entendu, non? Il dit le souris, il chante là. Lui, son album, écoutez, car c'est une continuité. Le chat dit, faut danser. La souris dit, moi, je danse pas. Écoutez. T'as dit, moi, c'est pas la toi, tu danses derrière moi. Maintenant, il vient, il faut danser là. Si tu danses pas. Tiens. Et dessus, là. Tu déposes le lit. Je danse pas. Eh hein. Non, mais Axel, dis la vérité. Tu étais là, genre. Bah ouais, sur le sol, là, t'as là. Tu as mis la serviette bête là. Commencer comme ça. Hein? Les papatos là, les wakuzwe aujourd'hui qui disent que elles sont devenues conseillères là. Les coachs constipés d'avant aujourd'hui, d'autres ont pris, ils sont partis à gauche, ils sont partis à droite. Parce qu'au début là, nous tous étions dans le même bateau là. Les wakuzwe là, les jackmani, les mains secs là, nous tous on était ensemble. Les coachs, ils vont vos noms ici. Les papatos là, moi j'étais pas dedans. Parce que moi, Fifi, je viens d'arriver dans cette histoire. Moi, t'es pas dedans. Les Wakunzwe, vos noms sont là. Tekiz, elle a dit, moi, je danse pas là. Vous avez commencé en même temps. Faut danser, faut danser. Et puis, je vois les gens qui ont pris partie là. Ceux qui ont fait division, hein, ils voient vos noms ici. D'autres qui disent, bébé, danse. Au lieu, tu l'appelles imbécile. L'autre dit, amour, ah, toi aussi, faut danser. Au lieu, tu l'appelles comment? Heureusement que les captures existent. Voici vos noms ici. Moi, Fifi, je vais faire une liste de ces personnes. Je vous vois. Ça donne les cadeaux même. Ouf! J'ai fait cette liste-là. Vous n'êtes pas des gens fidèles. Vous n'êtes pas des personnes remplies d'amour. Vous êtes des personnes de haine. Vos cœurs-là. Non, je vous ai dit que c'est Fifi. Peut-être Eva ne va pas accepter, mais je vais créer un autre compte rapidement parce que moi, je n'aime pas qu'on se foute de moi. Il ne faudrait pas qu'Eva se foute de moi. Hein? Ben voilà. Attendez, je vais mettre la partie là-même. Écoutez.
D'Espagne. Oui. Et non, mais Axel, dis la vérité, tu étais là, genre. Bah ouais, je suis le soldat là. Tu as mis la serviette bête là. Oui. Je t'ai dit, les coachs ont commencé comme ça, hein. Est-ce qu'ils vous voient? Ah, elle a dit si. Elle dit, le coach, vous avez commencé. Est-ce qu'ils vous voient même? Hé, hey, baba! Le coach, papato. Celle-là, vous devez la prêcher avant que c'est une prophétesse. Tout ce qui donnait conseil à ceux qui le suivent aujourd'hui, là. Tout ce qui lui ont donné conseil, y a des leurs noms. Y a des leurs noms. De mes noms, même pas de jolis noms, même. Les personnes qui le suivent aujourd'hui, là, elle dit, est-ce que moi, vous voient même? Elle dit qu'elle savait que c'était des hypocrites, des gens remplis de haine et de jalousie. Elle dit qu'elle savait ça. Il va vous afficher. Et puis, capture ça là, il y a un maître. Il y a un maître parce qu'il y a le nom, des noms constipés. Tu veux quoi? Les apprentis de quel coach? Il y a beaucoup de coachs en tout cas. Oui, lui aussi, il est tombé dedans. On dit que Tom et Jerry, là, on s'est même pas au milieu, là. Nous avons entendu ce qu'il a dit. Elle dit, il y a deux mois, les coachs. Il dit, il faut les laisser, ce sont des apprentis coachs. Il est méchant. Il n'est pas bien. Tom et Jerry, on s'est même pas au milieu, là. Elle dit, les coachs, vous avez commencé, lui. Il dit, il faut les laisser, les apprentis coach là. Mais mettez vos milieux de ce mois. Écoutez. Je t'ai dit, les coachs ont commencé comme ça. Hein. Est-ce qu'ils vous voient? Allô? Les apprentis de quel coach? Il y a beaucoup de coachs en tout cas. Mais non, on veut te voir, non. Ok, attends, je coupe et puis je reviens parce que j'ai pas le bon téléphone pour mettre. Okay. Et mon téléphone, truc là que j'ai. Non, attends, je te rappelle. Écoutez. Okay. Je te rappelle comment. Hey, là, comment les papos étaient cassés ici. Écoutez. Vas-y. Dis le code du faux coach. Maintenant, elle dit, mais non, mais te voir, non. En ce moment qu'il parlait, elle n'avait pas activé sa caméra. Elle n'avait pas activé sa caméra et puis il parlait. Parce qu'elle allait voir son visage qui n'était pas content. Parce qu'il n'aime pas qu'elle danse devant quelqu'un d'autre. Il vous a dit ça avant-hier ici. Il vous a dit qu'il n'aime pas qu'elle danse et puis les gens la regardent. Il a dit ça. Donc, il était fâché. Mais il vous dit ça à quoi les danses, ils ont fait palabre. Ils ont fait palabre. Il y a eu palabre après ça. J'aime, mais si vous voulez écouter palabre, là, il y a eu palabre. Où ils se sont réconciliés. Puis nous qui n'avons pas gars, on a arrêté pour qu'on n'ait pas gars là. Elle lui dit que faut activer, comment on appelle ta caméra. Il dit, bon, d'accord, je vais mettre. Et puis il lui dit, je te rappelle. Elle dit, aïe, comment je te rappelle tout à l'heure? On s'est dit. Ça veut dire, comment il était habitué à appeler au téléphone. Façon, quelqu'un dit, il faut attirer ta caméra. Il faut dire, d'accord, je coupe, je reviens. Ou bien, tu dis, non, je te rappelle tout à l'heure. Elle m'a dit, mais dans son cœur, elle avait dit, mais tu viens de nous souhaiter. Puis qu'elle est occupée, lui dit, je te rappelle tout à l'heure. Donc, elle dit, hi. Qui envoie invitation? Non, ici, on ne voit pas d'invitation, je n'accepte pas. Excuse, désolée, hein, madame. Si c'était Eva, elle allait vous faire monter. S'il vous plaît, n'emmenez pas d'invitation parce que je ne vais pas vous faire monter. C'est pas un manque de respect, mais j'aime pas que quand je suis inspirée, qu'on vienne me déranger, s'il vous plaît. C'est pas Fifi qui est là. C'est pas Eva qui est là, c'est Fifi. Donc, les fans, les amis d'Eva là, je suis désolée, hein. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'invitation. C'est pas vous. C'est pas un manque de respect, mais j'aime pas qu'on vienne me distraire. Elle aime trop la distraction. Donc, tata, maman, excuse-moi, ne te fâche pas. Mon Dieu m'a donné un cadeau, je ne peux pas la faire monter. Ah, mais bon, excuse-moi.
Je ne peux pas te faire monter. Il va faire ta commission, elle va. Elle va s'excuser après, mais moi, Fifi, je connais personne ici, je ne peux pas. On continue. Donc, elle dit que, comment, elle dit, mais, faut, d'abord, mais elle dit, il faut danser, tu as dansé jusqu'à. On va rien là maintenant, tu as fait para, 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 tu as remué rien là. Le chat dit, bon, moi, je suis là. Il faut danser. Elle dit, il ne veut pas. Bon, c'est comme moi, je ne suis pas là que toi tu danses. Il vous dit que le chat n'est pas là, la souris danse là. Il y a eu beaucoup d'inspiration. Parce qu'elle s'est toujours cachée pour danser. Quand il est là, qu'il dit faut danser, il dit il est honteux. Il est méchou. Jésus, fatigant. Il y a bébé chou, mon pied là, non. Mon pied là, il y a plein de pieds. Moi, ma pied là, non. Il ne peut pas faire quoi, c'est pas ta. Elle va tout expliquer, ses problèmes. Expliquer. Mais je suis mon pied là. Mais quand il n'est pas là, quand c'est coach à lui dit de danser, elle veut se casser même. Tellement elle danse. Non, lui, il est celui là. Il dit, Fifi n'est pas sûr dans ça. Voilà. La tata là, qu'elle m'excuse, elle tout le reste. Et puis elle a une invitation encore là. Hein? Mais tu as dansé, le jour là, tu as dansé, tu as remué tes reins jusqu'à l'indé, tu as te cassé, tu as blessé dans la danse là. Maintenant, bébé chou, maintenant, viens, il dit, comme on appelle, faut danser pour moi, tu dis non que, moi, mon pied là, ça, c'est pour ça qu'il ne porte pas de talon. Depuis que si tu étais petite, même fraîcheur là, même, ça prend mes pieds. Moi-même, oui, je suis là même. On m'a toujours dit de ne pas trop danser. Elle a commencé à expliquer tous les problèmes de ses pieds au chat. Le chat dit, c'est bon, faut t'asseoir. Mais au moins, il était vu quand tu étais en train de danser là. Mais quand ce sont les coachs là, le faux coach là, elle se lève, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. Nous, on dit c'est bon, faut t'asseoir, elle s'assoit pas. Maintenant, bébé, je viens, il dit faut danser, tu dis que toi, tes pieds te font mal. Comme il n'aime pas les histoires, il dit il a compris. Elle dit bon, d'accord, il te voit en caméra. Il dit bon, caméra là, c'est que il descend, il va bien me reconnecter parce qu'il n'était pas prêt. Et puis, je vais revenir. Maintenant, lui aussi, il faut dire, je vais revenir, il dit je t'appelle tout à l'heure. Elle dit hi! Aïe, ils sont aïe, la mère dit, ah, mais tu es cassé, mon papa. Les gens vont dire, ah, on s'appelle. Mais elle pense que nous, on boit l'eau par nos narines. Bon, on a tout le café en même temps. Donc, écoutez la suite. Ok. Et elle a dit, ok. Elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire. Elle dit, on a ça. Nous aussi, il est revenu. Ici, là, attends, elle n'est pas revenue ici, là. Qu'elle est partie, elle a commencé à danser. Maintenant, voici Palam. Voici Palam. Axel, mm-hmm. Je ne veux pas me discuter avec quelqu'un. Quelqu'un qui riait. Elle lui a dit, va te mettre. Hey, non, je viens Palam aussi. Elle a dit, va te mettre. Avant de causer avec Tom, là. Tom t'a dit, ah, je me sens mal. Quand ça allait jouer ballon, j'ai pris un coup de froid. Je suis fatiguée. Toi, Jerry, tu n'avais rien. Tu as dansé jusqu'à. Tom est venu t'attraper. Tom dit de danser pour lui. Tu dis non, que ton pied te fait mal, ton pied enflé. Tu n'as pas dansé. Ah, Tom, c'est parce qu'on ne le voyait pas à la caméra. Sinon, même qu'il causait avec elle. Si vous avez ressenti dans sa voix, il n'était pas trop content. C'est-à-dire qu'il causait avec elle, mais ce n'était pas trop ça. Donc, Tom est venu. Tom a activé sa caméra. Il est venu. Quand Tom est venu, malheureusement, hein, ses amis, après d'aller reconnaître la voix de Wakunzwe dedans, Wakunzwe non. Oui, Wakunzwe et puis Gaspard. Wakunzwe était là, Gaspard était là. Maintenant, écoutez Jerry, hein. Écoutez Jerry qui ne laisse pas faire là. Son loup comportement, écoutez Jerry. Je suis venu en paix. Mm-hmm. S'il n'y a pas de paix, moi je ne veux pas en fait. C'est comme il était en train de parler là. C'est la même façon en fait. Comme il était de parler à les autres là, c'est la même façon que tu es venu. C'est la même façon que j'ai parlé. Il n'y a rien de froid en fait. J'ai rien de froid. C'est juste que je suis juste pas dans le bon mood pour le truc là, c'est tout. Je suis juste au calme, c'est tout. Maintenant, genre, quand tu m'as pas posé une question, j'ai pas répondu. Pourquoi en fait. Voici Wakunzwe là, dis-nous de Wakunzwe. C'est mon tour. Wakunzwe, demande si c'est son tour.
pourquoi en fait tu penses que parce que je ne regarde pas, je suis juste en train de jouer mon game. Hein. Même quand j'étais dans ton live, j'étais en train de parler, j'étais en train de jouer, donc c'est pas parce que je veux pas parler à quelqu'un que je suis en train de jouer. Même tout à l'heure quand je suis dans ton live, j'étais en train de jouer. Voilà pourquoi je voulais pas mettre ma caméra. Oui. Ma grand-mère me disait toujours. Voici Waku jouer maintenant. Quand elle donnait pour elle. En fait, quand elle a dansé, et puis il a vu la vie danser là, il a dit, il faut danser pour moi. Elle dit, elle a mal au pied. Elle n'a pas dansé. Il était là, c'est peut-être qu'il y a longtemps, il avait le gourmet, pas le chat, la souris aussi. Tu ne peux pas compter sur elle. Tu sais que le chat n'aime pas que tu te revues devant les gens. Mais c'est quand le chat n'est pas là, là. Que toi, la souris, là, tu vois, tu trouves toujours un endroit pour danser. Tu te caches du chat pour danser. Ça, le chat n'a pas aimé. La souris qui dit, ah, faut activer caméra. Le chat est parti faire. Maintenant, toi, tu es parti trouver que dès que lui l'a allumé, l'a activé, là, le chat ne savait pas. Dès qu'il l'a activé, Waku Zoué et puis Gaspard sont venus en même temps. Donc, Waku Zoué et puis Gaspard sont venus. Toi, Jerry, vous êtes en train de causer. Le chat aussi ne s'occupait pas trop parce qu'il était dans le boule. Toi, le chat, tu te caches trop pour danser, ça l'énerve. Vous savez que le chat, là, il tombe là, il n'est pas hypocrite. Tom n'est pas hypocrite. Tom, quand il ressent quelque chose, là, il montre haut et fort qu'il a mal. Tom, quand il ressent une douleur, là, il ne s'est pas caché. Tata Christelle, merci beaucoup. Il ne s'est pas caché. Donc, Tom a montré que lui, là, il n'était pas content. Voilà Jerry maintenant qui boude parce que Jerry voulait être seul avec Tom. Malheureusement, Jerry est parti trouver que Tom était avec déjà, avec Waku Zoué et puis Gaspard. Donc Tom aussi, Jerry est resté là jouer son faux jeu là. Elle ne tient pas parce que Tom ne s'occupe pas d'elle. Elle dit à Tom, mais pourquoi tu ne t'occupes pas de moi? C'est à cause de toi, je suis ici. Je voulais être avec toi. Tom, tu as quel problème? Tom dit, ah, il t'a dit qu'il ne me sentait pas bien, non. C'est pas comme s'il y a un problème. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas fâchée. Jerry dit, oh, Tom est fâché. La suite. Jerry, c'est l'homme. Moi, Tom, maintenant. Il s'explique ou il s'explique. Écoutez, Tom. Juste pour que tu changes ton visage. Il y a Jerry qui n'y a maintenant. Les papatos se sont mis au milieu, hein. Mettez-vous toujours au milieu d'eux. Vous allez avoir guate. Voilà, Jerry qui n'y a. Figure de Jerry est tout serein, t'es n'y a. Mais Tom, tu m'as vu. Tu dis que tu m'as dit d'activer ma caméra. J'ai activé. Le plus, c'est que j'ai changé de téléphone. Je pourrais pas activer ma caméra sur le téléphone où j'étais. Donc, j'ai changé de téléphone. Et j'ai pris... j'ai mis le... Comment je veux dire? J'ai pris le deuxième téléphone et je me suis mis en live. Normalement, je ne devais pas faire de live ce soir. C'est toi, après, tu as dit que je voulais voir ma tête, que je me suis mis en live et j'ai dit aux gens de t'aller te chercher. Jerry. Ah. Attends, maintenant. Faut pas te rallier, tu vas comprendre. Mais pourquoi je me suis dit, tu n'as pas fait le fait de te rendre dans un live et que tu n'es pas contente. Je n'ai pas content, c'est ton mood. Ta beauté, c'est pour ça qu'ils sont en train de le signaler. Regardez là. Il y a Jerry maintenant qui a tout gardé. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs qui sont ici depuis l'année passée. Ils sont debout à nous guetter. Aïe, yako pour vous. Yako. Bon retour aussi à ceux qui sont ici pour la toute première fois. En tout cas, on vous accueille avec joie et paix. N'hésitez pas de vous faire abonner chez Leur Stress car c'est une chaîne de la paix et de l'amour, de l'unification. Voilà. Bref, bon retour à tous. Moi, je croyais que je n'avais pas bien écouté. Mais la façon dont le Grand Kobo fait ses lives ici, ça nous confirme que notre vidéo là n'a pas menti. Hein? Donc, elle s'est manquée encore de Kimi Makoso. C'est elle, le Grand Kobo, qui a dit que j'ai baissé mes armes.
on passe à autre chose. Il y a aussi la vidéo ici, non? J'ai oublié même les titres, hein? Il y a encore une vidéo qui vient après ça. Donc, c'était le live. C'était très long. Le live a été très long. J'étais obligée de couper partie par partie pour pouvoir faire des vidéos. Sinon, là, on allait nous asseoir ici pour 3 heures de temps dans une vidéo. Alors, dans la vidéo, là, je vais vous prendre même le titre de la vidéo qui est le grand corbeau. Ici, chez l'autre seulement, la semaine passée, allez regarder nos vidéos de la semaine passée concernant le grand corbeau. Allez regarder même la vidéo de Bovan et le grand corbeau. Là, je pense que c'est dans ces vidéos-là, in the middle, in between. Vous allez voir, vous allez écouter. Le grand corbeau dit que elle a déposé les armes. Agnès a déposé. Le grand corbeau, et maman Audrey, plutôt, elle a déposé aussi. Maintenant, les grands corbeaux ramassent. Donc, si vous avez déposé, il y a quelqu'un qui va ramasser. Si vous avez ramassé, il y a quelqu'un qui va déposer. C'est ça, même moi, je pense, les games, c'est ça. Donc, c'est les grands corbeaux qui bougent TikTok. Les autres parlent des mal ouest. Les autres parlent même de la politique. Les autres parlent même de l'RP de TikTok. Parce que TikTok, là, c'est très, très dangereux. Mais c'est les grands corbeaux qui a ramassé ce pacpato. Hein? Elle a ramassé ça. Hi! Moi, je me suis étonnée. J'ai dit que, c'est celle les grands corbeaux qui soutiennent Kimi maintenant là. C'est elle qui ramasse encore. J'étais trop étonnée. Trop étonnée même. Je disais, quoi? Hi! Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, les grands corbeaux, et maman, ma chérie, on t'aime bien. Mais les histoires de ces enfants ici, il faut laisser maman. Il faut laisser. Il y a un adage qui dit, dans notre pays, qui dit que les deux gens qui se sont aimés déjà, qui se sont goûtés la saveur de l'amour, leurs histoires, il ne faut pas entrer dedans. Faut pas entrer dedans. Donc, les jeunes gens-là n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Le problème, c'est nous, les panélistes, les channel owners. C'est ça le problème, les abonnés. Vous voyez, et ils sont passés à autre chose, mais voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe. Il y a même autrefois que le grand corbeau insultait Kimi, qu'on disait, aïe, c'était Axel qui a envoyé le grand corbeau parce qu'il ne sort pas, il dit rien dans tout ce qui se passe. Il dit rien. Mais on voit que, Axel là, il a lavé les mains. Il est passé à autre chose longtemps, il y a longtemps. Kimi aussi, elle est passée à autre chose. Pourquoi pas nous aussi, on devait passer à autre chose? Pourquoi pas cette histoire soit une histoire de la paix? Pourquoi pas cette histoire dit que, la queen, le king sont passés à autre chose? Nous aussi, on leur suit, on leur soutient. On soutient et Axel dans ses albums. On soutient aussi Kimi dans ses ventes. Bientôt, elle aura aussi des ventes des 24 heures aussi. Je pense, next month, Axel aussi va sortir son album aussi, le 8. Soutenons-le. Si vous voulez, vous soutenez Kimi. Si vous voulez, vous soutenez Axel. Si vous voulez aussi, vous les soutenez les deux à la même fois. Il n'y a pas un problème là. Ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de tout ça ici. Le bruit aujourd'hui, Kimi, demain, Axel. Aujourd'hui, Kimi, demain, Axel. Non. Non. Donc, they deserve peace. Ils deservent, je ne sais pas si j'ai dit ça bien en français là, ils méritent, voilà c'est en français, ils méritent la paix. Ils méritent la paix ici sous la toile. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. And we are warning you que notre prochaine vidéo, parmi nos prochaines vidéos qu'on va vous mettre du grand corbeau, vous allez encore vous étonner encore de ce qu'elle a dit. Et vous allez écouter bien que les chats là, c'est Axel. La souris, c'est Kimi. Et puis la souris danse quand les chats n'est pas là. Elle a décortiqué encore. On va encore écouter. Vous allez vous étonner comme moi. Bon, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours qui sont toujours fidèles à nous, qui nous corrigent en privé. Qui nous font des remarques en privé. Merci pour vos appels. Merci pour vos corrections. Merci pour vos commentaires. Merci pour tout ce que vous faites ici.
hein, pour notre chaîne. C'est pas notre chaîne à nous-mêmes là, c'est aussi la vôtre. C'est pour cela qu'on a besoin de vous et nous qu'on collabore ensemble pour qu'on marche, on marche de l'avant. Voilà. Merci aux guetteurs, aux malgré tout, ils sont là. Aïe, on les laisse. On les laisse même. Mais quand même, merci. Merci aussi à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Et on vous a dit de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Allez aussi sur notre playlist, regardez n'importe quelle vidéo qui va vous attirer, qui va voler votre attention, mais ne commentez pas avant d'écouter les analyses de l'autre 13, le travail du Bec Rouge. Alors, on vous remercie d'avoir collaboré avec nous en ceci. Bisous, bisous à nos abonnés. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on est obligé de couper et dire bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.